Alors du coup, moi je suis impatient de découvrir. Attends, ça c'est. Oh là là, alors là, là je vois ça, je me dis. C'est Sonic 2006. Ça, ça sent Sonic 2006. Trop osé. Ils ont mis un stage de Sonic 2006. Ah ! Bon, bah le stage ne m'aime pas déjà. J'ai été méchant avec lui, c'est vrai. Attention. Bah, ton attaque t'es auto-guidée. Tu te fous de ma gueule? Moi, quand j'entends Sonic 2006, j'entends It's no use! Ça vous trigger, on a rien que de l'entendre. J'ai pas la ref. C'est Silver qui spamme ça pendant son combat. It's no use! Et t'es un peu en mode, mais tu vas la fermer ta gueule, Silver, ou... Silver, le Trunks de Wish. C'est Mirai Solic. C'est vrai que tous les personnages, en fait, c'est des persos de Dragon Ball. Sonic, c'est Goku. Shadow, c'est Vegeta. Knuckles, c'est Piccolo. Krillin, Tails. Et Monsieur Silver, Trunks. Ah non, c'est quoi cette hitbox? On est sur Dark Souls 2 ou quoi là? T'es de ma gueule. Oh la musique, c'est vraiment la musique, c'est nous qu'on est les méchants quoi, attention. Oh là là, là c'est joli là. Petit violon et tout, tout ce qu'on aime. Le Y! Oh, le Y a pas marché. Et ouais, Seven fait des lives. Incredible! Oh non! Yes, je l'ai eu. Bienvenue sur ce live. Nous sommes sur Sonic 2006. Je prépare mon tech dessus. Un grand jeu d'après moi. N'en déplaise à certains. C'est Sonic 2006. Bienvenue. Oula. Ok, j'ai tempo. Putain, mais même dans Sonic 2006, la musique est bangueur. Vraiment. Que dalle. Je m'as baisé. Je peux pas t'avoir autrement, non? Bon. Ça devait être de l'autre côté à tous les coups, ouais. Oh, oh putain, mauvaise idée. On est où là? Où est-ce qu'on est? J'ai aimé ces phases, moi. Ces phases là, là, notamment dans Sonic Unleashed. Toujours aimé ces phases là, là, où tu dois dasher à gauche ou à droite. Et puis j'ai vu des scènes aussi sur YouTube. Faut parler de certains bails, hein. Le kiss de Sonic à la princesse, bon. Faut en parler de tout ça.
C'est quand même du bon son, hein. C'est quand même du bon son. Put your hands up. Touch the cloud. Look at the sky. Non mais très bien hein, ce petit Sonic, vraiment. Pareil, hein. À l'époque, j'avais pas dépassé du coup le niveau de la nuit avec les gratte-ciel. J'étais jamais allé jusque là. C'est très sympa. Hein. Bon, évidemment, il y a des petits soucis d'inertie et tout le bordel, mais quel Sonic n'en a pas. Bon après c'est sûr, évidemment il est aidé par le fan service, mais bon c'est ça qu'on aime. Bah tu mets Live and Learn, voilà hein. Qu'est-ce qu'il fait? Quelque chose me dit que je dois fuir ces oiseaux. À l'aide. Wouah! Attends, mais il y a des trucs à droite. No! J'espère que ça valait le coup. Ah, nice! Ça valait grave le coup, je suis trop content. Merci! Oh mais la musique! Ok alors toujours un problème avec ça. Ok. Oh là 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 là, attention! Oh ce bordel! Ah, j'allais dire, j'ai gagné? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quoi là? Il s'est passé quoi? Ok, je suis allé dans un endroit où j'aurais pas dû aller visiblement. Excusez-moi, hein, vraiment. Excusez-moi, monsieur Sega, vraiment, je suis désolé. Excusez-moi, vraiment. Ah merde! Tout à l'heure c'était passé. Je devais avoir plus d'élan. Oh, mais attendez, regardez ce qu'on a là. Tire pas s'il te plaît mec, fais pas le bâtard, merci. Ouais c'est ce que je me dis, j'ai dû sauter à un moment où fallait pas sauter. Le jeu a pas voulu. Alors là attention, attention. Ah bah du coup on verra pas la partie fallait pas sauter. Ah si c'est celle-là. Attention, ne sautez pas. Ok, bah j'aurais peut-être dû. Ça faut vraiment des réflexes de porc parfois, hein, pour voir les petits cercles rouges là. D'où l'intérêt de la rejouabilité dans un Sonic. C'est beau. Tais-toi. Oh, les mobs de Sonic 2006, quoi. Plus de lave encore, hein, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? Je dois sauter? Ok, il y avait un panneau interdiction d'aller par là. Réflexe, aller par là. Je voulais tester s'il y avait un truc en bas. J'aurais pas dû. Comme ça va, j'adore ton contenu YouTube. Continue comme ça. Est-ce que tu comptes faire Sonic 2006 et Sonic Unleashed en live? Ah, je ne dis jamais jamais. Déjà, merci pour le compliment, mais je ne dis jamais jamais. Hein, pourquoi pas un jour? Attention, il y a un panneau. Ah, c'est bon, je peux y aller? Voilà, il faut attendre que le vent se termine. Mais pourquoi pas, hein? Bon, Sonic Unleashed, c'est un jeu que j'aime bien. Et Sonic 2006, ça pourrait être drôle. Oh, le bâtard! Oh, il m'a bien eu! Tu m'as bien baisé! Oh non! C'est quoi ce petit saut de merde? Il a fait un petit saut à la con, là.
Tu m'as fait un petit saut de merde là. La fin est tendue du cul. Je vois ça, ouais. Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai le temps? J'ai le temps. Qu'est-ce qu'on a par là du coup? Ok, bon. C'est un autre chemin, on pouvait passer par là. Tant qu'il me reste un ring, c'est pas trop grave. Attention! Le jeu nous taunt, tout à fait. Ah oui, en fait, quand j'ai sauté tout à l'heure, je me suis cogné contre la voiture. Oh, le vent est en train de m'enculer. Oh, c'est stylé comme face quand même. Non! Oui! Qu'est-ce qu'il veut lui derrière là? Enfin, je vois rien. Zboing. En fait, faut vraiment y aller doucement. La psychome d'hab, t'es censé, t'es tenté d'aller super vite. On y est. Eh ben, compliqué celui-là, hein. Un B, la grosse merde. C'est du caca. C'est la grosse merde. C'est qui? C'est Blas, ça. Bon, j'aurais préféré Silver, mais bon, pourquoi pas. J'aurais préféré me passer de ton aide, Sonic, mais merci. Au fait, tu as l'air d'avoir perdu de ton piquant. Mais là, tu es enculé. J'avais plus de gel? Et alors? Bonjour, Savon, j'apprécie ton contenu. Merci. Imbabututa. Merci, très cher Savon, d'avoir fait jouer à RE4 Remake. Il est cool, hein. Il est bien. Ouais, donc Blaze, on est d'accord, hein. C'est la pote de Silver. On la voit pas, elle a pas un rôle un peu plus important dans un jeu Sonic DS? Ou je dis de la merde. On la revoit dans un jeu Sonic DS, je crois. Oh putain, je voulais pas les voir. C'était Sonic Dash? Ah oui, Sonic Rush, ouais, voilà, Sonic Rush. Et du coup, on la voit plus dans Sonic Rush, ouais. Hein. Oh! Attends, qu'est-ce que je viens d'entendre? Alors, attendez, il se passe trop de choses. Là, il y a Sonic Unleashed. Et j'ai entendu le thème que je kiffe de Sonic Colors. Ah là 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 là. Le thème de la planète Wisp. Oh là 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 là. T'as, ils m'ont mis des stages de Sonic Unleashed et de Sonic Colors, mais c'est bon en fait, c'est banger. Mais c'est bon, pour moi c'est validé. Sonic Unleashed et Sonic Colors, qu'est-ce que tu veux de plus? Mais un moment. Deux des meilleurs Sonic 3D pour moi. Bah deux des trois meilleurs Sonic 3D pour moi. Même si du coup j'aime beaucoup Generation du coup. Oh, le petit remix! Et ça, c'est Spagonia, ça! Oh là là, mais le son! Oh là là, ils m'ont mis un petit stage de Sonic Unleashed.
Bon, après Sonic Generation, très cool, mais comme j'ai dit tout à l'heure, le fanservice aide. Calmons-nous. Ça reste un bon jeu. Je sais plus si c'est Spagonia ou Rooftop Run. Oh là, c'est quoi ça? On est sur Dark Souls? Forteresse de Seine? Attention. Ouais, moi Sonic Unleashed, j'ai toujours bien aimé moi. Ce que je disais tout à l'heure, depuis quelques années maintenant, t'en as qui commencent à lui sucer la queue. Mais à l'époque, tout le monde lui pissait dessus. Hein. Je me rappelle vraiment, j'en parlais avec les potes à l'époque et j'étais vraiment l'un des seuls à kiffer le jeu. Plus moi j'avais fait la sous-version à l'époque, j'avais fait la version Wii. Qui avait des stages un peu moins... Enfin qui était très cool hein, mais qui avait quand même des stages un peu moins travaillés. Non. Quelque chose me dit qu'un truc va m'arriver dans la gueule. Ah, ce remix. Ah merde. Ah non, ah non. Non, non. Qu'est-ce que c'est que cette hitbox là? Foutez de ma gueule. La vie, la vie. Oh merci. Re-il ou mascasse. Alors ça va être qui le boss du coup? Un boss en rapport avec Sonic Colors ou Sonic Unleashed? Là la question. Mais le remix c'est trop bien, hein, vraiment. Je l'avais déjà calé je crois dans un début de live. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? What? Tu veux que je fasse comment? Tu te fous de mon gueule? Oh l'invincibilité! Ok, nice. Après, il y a eu Forces. C'est sûr. Oh non, mais saute, saute, saute. Ok, je vais passer par là. Mais pareil, Forces, pas assez joué pour parler, mais apparemment, il est dégueulasse. Et du peu que j'avais vu, encore une fois, c'était pas ouf. Et je suis en train de rattraper, là, tous les jeux que j'avais commencé, que j'avais pas fini. Déjà avec celui-là. Ah super, on a bien profité des chaussures qui vont vite là, nice. Hein? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? What? Comment il touche lui? La pire mort. Sonic Boom, pire Sonic, même Sonic Double 6 c'était mieux. De toute façon c'est tout le temps les mêmes hein, qui reviennent en dernier. Calmons-nous.
Allez, c'est en haut là. Ça. Sachez bouli. Bon, hein, ça devient chiant. Il y a un moment, ça va. Oh, putain, mais regardez toutes les boules. Je suis mort. Il y a trop de boules. Il y a trop de boules. POV actrice porno. Il y a trop de boules. On sait plus où donner de la tête. Il y a trop de boules. Allez, cette fois, on y va. WTF. Qu'est-ce qu'il sort? Ça va pas la tête? Ouais, je m'en bats les couilles, hein. De l'anneau rouge, allez. Et c'est vrai que, ouais, par contre, la série Sonic Boom, pour avoir vu quelques épisodes, très très cool, hein. Il y a beaucoup de mèmes qui viennent de Sonic Boom. Notamment celui de Knuckles qui approuve ou disapprouve. Je viens de faire une connerie là, non? Non, c'est bon. Et bah, c'était bien cool. Bien aimé ce stage. En fait, c'est les mêmes environnements que dans l'ancien jeu, mais quand même. Le level design est complètement revisité, quoi. Donc c'est pas vraiment de la redite. Donc c'est Rooftop Run, ouais. C'est pas Spagonia. J'hésitais entre les deux. C'est un peu la ville qui s'inspire de l'Italie, de la France. La France. Spagonia, c'est plus la Grèce. Le film Mario arrive. Ouais. Je vais le voir la semaine de sa sortie, si tout va bien. Oh, ça fait quelque chose de revoir... putain. De revoir ce stage là comme ça. Oh là 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 là, mais cette musique! J'aime tellement Sonic Unleashed. Un anneau, juste un anneau. Tiens. C'était calculé. C'est totalement calculé, tout ça, vous inquiétez pas, tout va bien. Mais je pense que ça vient pas de Niche d'ailleurs, ce petit délire de faire gauche-droite comme ça là. J'aime bien cette phase-là. Ou peut-être de Sonic 2006, je sais pas. Je me rappelle bien de ces phases dans Niche. Oh là là, on est vraiment dans la forteresse de Seine, quoi. Ah, c'est Unleashed? Bah voilà, encore une raison de kiffer Unleashed. Je rêve qu'il y avait un ressort qui était piégé là. Ah, c'est quand même très cool. Les plans sont quand même ultra stylés. What? Salaud. Une vie! J'en ai besoin. Ok, nice. Voilà, moi je me rappelle de ça, effectivement. Dans Sonic Unleashed, il y a exactement cette phase-là, là. Dans ce monde-là, je crois. Une vie! Qu'est-ce qui se passe? Oh putain, ça descend. Ça, c'est vraiment la forteresse de Seine, ici, hein. Je m'en occupe, bro.
J'ai raté un Red Ring. Oh là 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 là, tu m'as cassé la gueule toi, dis donc. C'est fini? Et ben encore un slash très cool. Oh là là, le rang S en plus, magnifique. Bientôt arrivé à Norlando. Ah, vivement. Ah, mais là le monde d'après. Planète Wisp. Ah, donc ça, c'est l'alligator dont je parlais tout à l'heure. Hein. Mais d'où ils viennent, eux? Ils viennent de Sonic X? J'ai comme le pressentiment que quelqu'un ou quelque chose contrôle ce monstre. Oh, oh, le vent! Il s'en bat les couilles. Ouais, donc dans mes souvenirs, ouais, ils viennent de Sonic X. Et Sonic X, gros banger. Hein. Vraiment, Sonic X, quand j'étais gamin, je me butais à ça. J'aimais trop Sonic X. Avec le gamin qui a la voix de Pilo. C'est la voix de Revali. Ah là, la planète Wisp, là. C'est un grand moment, parce que j'adore ce monde dans Sonic Unleashed. La musique est incroyable hein, dans Sonic Colors. J'ai dit Sonic Unleashed ? Je voulais dire Colors. Ah, Sonic Colors... La musique fait voir un petit peu. Bon, je pense de toute façon que la musique qu'on kiffe, ça sera avec Sonic Modern. Merde. Oh. Oh là 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 là. Le fan service, tout ce qu'on aime. Mon dieu. Ils ont mis les Wisps hein. Tu vois, ils auraient pu ne pas faire l'effort. Hein. Ça fait très bizarre de voir Sonic classique utiliser les Wisps, on est d'accord. Ça fait très très bizarre. Ouais. Bon, je suppose que c'est par là qu'il faut aller. Qu'est-ce que tu fais? Non, reviens. Oh, le feu, attention, le feu. Je l'ai vu trop tard. Ok, comment tu veux que je l'aie? À tous les coups, il faudra le spike. Ils ont même mis la petite voix off du mec. Spike! Oh, j'arrivais pas à l'atteindre. Ça sert à quelque chose que je leur prenne, mais pourquoi pas. Putain, le gameplay, quoi, trop bien. Putain, mais Sonic classique avec des Wisps, on aura tout vu. Et quoi? Bientôt Link qui conduit une moto. Ah, imaginez. Je rigole, hein. Imagine quand même. Mais je rigole.
Oh bah c'est malin ça, c'est malin, tu m'encourages à faire le spin dash et je crève. C'est vrai que ce serait étrange hein, bah ouais, on est d'accord. Qu'est-ce que j'ai fait? Chaque fois que je fais des trucs comme ça, Ah. Qu'est-ce qui se passe? Ok, c'était totalement intentionnel. Ça fait quelque chose hein, d'entendre cette musique. Des bons souvenirs, des bons souvenirs. Bon alors qu'est-ce qu'on a par là? Attention. Ok, d'accord. Oh merde! Ah ouais, faut vraiment être rapide quoi, ok. À moins que je doive activer aussi le truc de gauche. Je vais commencer par le truc de gauche. Alors voyons voir qu'est-ce que ça active. Ah mais que dalle en fait. En fait je devrais m'en battre les couilles. Ok, let's go. Allez. Ah. Totalement tensionnel. Oh merde, putain, pile à ce moment-là, il finit. Ouais, je disais, c'est vraiment quelque chose de entendre cette musique, hein. Même remixé. Bon, je pense qu'après Sonic Moderne, ça sera plus proche de l'original, comme d'hab. Bon, par contre, c'est dommage, on a que ça en Wisp. Il me touche pas là. Ah non. Il me donne que ce Wisp là, du coup. Oh shit. Ah, ça, c'est con ça. C'est bon là. Spike. C'est dommage par contre, c'est tout le temps les mêmes Wisp. C'est triste. Après c'est quand même cool de les avoir mis. Spike. Donc on l'a récupéré, nice. Mon Wisp préféré, tout Wisp confondu. Celui de base là. Le blanc bleu clair. Qu'on a vu d'ailleurs dans Sonic Lost World, il me semble. Celui qui te permet d'aller ultra vite. J'aime bien celui-là. Et je me fais casser la gueule. Ouais, laser. Grave long ce stage là, c'est ouf. Ah. Ah
C'est un sacré bordel. Si on l'a déjà activé, on s'en bat les couilles. Ouais, bah évidemment. Hein. Attention, je n'ai plus d'anneau. Ne faisons pas les cons. Ok, j'ai des anneaux. Faisons les cons. Ouais, mais c'est... Ah, ah non, c'est le même Wisp. Je pensais que c'était le Wisp rouge. Je suis déçu. Il est long ce stage, hein. C'est un bordel quand même, hein. Bon, un petit peu en dessous des autres, ce level. Ça restait cool, mais un petit peu en dessous des autres, hein. Notamment City Escape et Rooftop. Putain, c'est trop cool, hein, vraiment. J'ai mis Planet Wisp. Bon, après, il y a un autre level qui est culte dans Sonic Colors, c'est... comment il s'appelle ? Aquarium Park, je crois. Sacrée musique aussi. Bon, allez, Planet Wisp avec Sonic Moderne. Oh là là, la musique. Musique bien mieux d'ailleurs que la musique du remake, hein. Excusez-moi, mais... Dis donc, il est joli ce level, là. C'est ça qu'on veut voir. Oh putain. Ouais, j'ai peut-être été trop vite, là. J'avais qu'une envie, c'était me grouiller. Ah mais regardez-moi ça comment c'est stylé. Oh merde. Oh là là, mais cette musique. Oh la vache, j'ai eu chaud, j'ai eu très très chaud. Petit bâtard. Petit bâtard. Ah ! Un Wisp ! C'est la fusée, ça. Il y a un truc derrière, c'est sûr. Bâtard, il y a même pas un petit Red Ring ? Bah, je t'aime pas. Rocket! Ça, c'est ma fusée, bâtard! Ah merde, putain, c'était passé. Ah bah, sinon, comme ça. Et c'est vrai que les remixes dans Sonic Colors Ultimate sont vraiment pas ouf. Hein. Oh là 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 là. Non, pas de double saut. Il a la homing attack, mais pas le double saut. Attendez, il y a Rocket. I need Rocket. Rocket. Hein?
Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait une touche qu'il fallait pas? Elle a pas capté là. Rocket! Attends, on se fait toucher par tout le monde. Sérieusement? Tu te fous de mon gueule? Ça, c'est vraiment cool de pouvoir réexplorer la planète Wisp. Wow, 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 calme-toi, calme-toi. Oh la, la chatte que je viens d'avoir. Enfin, c'est calculé, évidemment, ça va de soi. Alors... Rocket! C'était une bonne idée, ça, les Wisp aussi. Qu'est-ce que j'ai vu en bas, là? Ah, c'est dommage, y'a que deux Wisps du coup. Je vais le garder au cas où. Calme-toi, Sivir, ça va bien se passer. Ah! Tu te fous de ma gueule? C'était bien la peine de le garder, bordel! Je me suis fait cramer le cul. Ah, Sonic Colors, moi j'ai fait la version Wii. Hein. J'ai pas fait la version DS. Mais apparemment elle était pas dégueu non plus. Ce serait bien si un petit remaster remake, quelqu'un en parlait de Sonic Unleashed. Ça fait un petit moment là. Bon après il a été moins apprécié que Sonic Colors, hein, c'est sûr. Rocket! J'ai bougé, il fallait pas bouger. Excusez-moi monsieur Sega, je suis désolé. Pardonnez-moi. Il fallait pas sauter. Il fallait pas sauter. Oh. Ah oui, non, alors c'était pas Aquapark machin, c'était Tropical Resort dont je parlais. Non. Je sais plus. Il y a un stage que j'aime beaucoup. Mais je sais plus. L'un des deux, c'est le premier stage que tu fais en fait dans Sonic Colors. Mais moi je parle de l'autre. J'ai oublié le nom. Oh non, mais t'es sérieux? Ouais, Aquarium Park, donc c'est bien ça son nom, ok. Et Tropical Resort, du coup, c'est le premier stage. J'ai toujours confondu le nom des deux en fait. Et je parle bien de Aquarium Park. J'aurais dû sauter. J'aurais dû sauter. Non mais très cool hein, globalement pour le moment, ce Sonic Generation. Du peu que j'avais joué déjà, hein, c'est ce que j'en avais retenu. Rocket! Il me faut un autre Wisp, voilà.
Tant pis. Et merde, je l'ai vu trop tard. Ça, c'est les pires morts, ça. Les morts que tu vois arriver à des kilomètres. To be continued. Ah, il y avait un Wisp que j'aimais bien aussi. Qu'on retrouve dans Lost World. Le Wisp... tu peux aller sous terre. Il est marrant à utiliser celui-là. Ok. Drill. Et eh bien quelqu'un disait qu'on ragerait sur ce level, moi je l'ai plutôt bien aimé. Hein. Dur mais plutôt cool à faire. Bon après ça aide, hein, j'ai aimé Sonic Colors. Ok, il y a un bug visuel, la note c'est pas BCS. Voilà. Là, voilà l'émeraude. Ouais, les bugs sont chiants, hein. C'est dommage. It's a trap! Pas mal cette technique, hein? Bon bah Sonic du futur est... Ah non, c'est pas un trap? Ok. Il est en train de paniquer, Sonic du passé, là. Ouah, j'adore ce personnage! Oh, je le kiffe! C'est un super chara-design, il est grave charismatique. Ah, je suis trop content, j'adore ce personnage. Oh, le bide. Ah, le bide. Ah, Charmy, putain, mais t'étais où, mec? Oh là là, vivement Charmy dans Smash Bros, putain. Trop cool. Je prends des notes, hein, au cas où si je fais un texte sur Sonic Generation plus tard. Sonic Generation? C'est bien, vous avez un petit son d'ambiance là, le petit bruit de pas, c'est cool. Mais en fait, c'est moi où il y a moyen de finir le jeu en un live. Je pense que là, il reste quoi un gros chapitre? Ah, mais Charmy, c'est le GOAT, hein, vraiment. Bah, tu me demandes de choisir entre un remake de Dark Souls 1 ou Mario Galaxy 3 ou Charmy, je choisis Charmy. Vraiment. N'en déplaise orageux. Ah, it's no use. Ouais, c'est Trunks quoi. It's no use. Les voitures se déplacent un petit peu avant de tomber. Garde un œil sur elles pour rester à l'écart. Oh non mais attends, je suis sous ma gueule. Attends, il vient de dire laisse tomber. Ah, à tous les coups on veut, il doit dire it's no use. Je dois t'envoyer des voitures dans la gueule ou... Je sais pas si je suis censé te casser la gueule avec des...
Ah non, je suis pas sûr de casser la gueule comme ça. Laisse tomber. C'est marrant, il a dit laisse tomber et il fait tomber ses objets. Il est rigolo, Silver, il est vraiment rigolo. Je suis censé te défoncer comment, Silver? Oh merde, j'aurais pu le viser. Ah mais j'ai pas besoin de faire le turbo en fait. Merde, c'est passé putain. Ouais, je rêve où il a dit tu aimes. Ah, il me taunte hein, le petit bâtard. Laisse tomber. Bon Silver, qu'est-ce qu'il y a? Faut que je saute sur tes voitures à la con. Ouais, j'aime bien, ouais. Ah, je peux pas te viser? Pourquoi j'arrive pas à te viser? Qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à le viser, cette foireuse. Peut-être qu'il faut pas que je saute. Ah bah non, mais faut que je saute. Ouais, non, mais Silver, niveau design, il est cool, hein. Ça, y'a pas à dire. C'est vrai qu'il se fait quand même pas mal boulot, ça. Le pauvre bonhomme. Oh là, c'est nouveau ça. Oh putain. Ah, regarde, il donne des noms à ses attaques. Ah bah comme Sonic en fait. Faut que je saute. Ok, bien joué. Ah merde. J'avais plus de turbo. Mais mal. Laisse tomber. Ah, t'as une pub pendant le boss. Mais c'est toujours le mieux ça, les pubs pendant les boss. Ça casse bien les coucouilles. Ouais, du coup j'ai pas capté sur la fin. Je pense qu'il faut vraiment matraquer le bouton turbo. Bon alors pourquoi j'arrive pas à t'avoir là ici? Je comprends pas. Ah, y'a pas moyen de l'avoir hein. Y'a vraiment pas moyen de l'avoir hein. Ah c'est bon, je l'ai eu. L'interaction est chelou sur cette phase hein. Bon calmons-nous, gardons le turbo. Eh hey, t'es un boss de Dark Souls toi en fait hein, t'es vraiment énervé hein. Il ne mérite pas tant de haine. Mais non, mais Silver on l'aime bien, mais bon. C'est pas non plus un personnage ultra développé. Enfin encore moins développé que les autres quoi. C'est bon, on parle de Sonic donc on va se calmer. Attention. J'adore. Allez, essayons de garder de la jauge de turbo. Et merde. Je rêve, il a la voix de... du gamin dans Sonic X. Merde. Je vais me faire écraser la gueule. Qu'est-ce qui se passe? Je suis pas mort? Qu'est-ce que c'est que cette merde là? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai cassé le jeu? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, attention, je peux pas te rattraper mec, donc je vais pas pouvoir te toucher. Oh putain, le beau bug. Ça a bugué hein, on est d'accord. Va falloir relancer le jeu bordel, enfin relancer la partie.
Par contre, ça veut dire que si tu te rates une fois sur cette phase-là, du coup contre Silver, t'es mort. T'as pas droit à l'erreur. Hein. Ça te one-shot quoi qu'il arrive. Ça, faudra que je le place dans le texte si j'en fais un. Ouais, donc c'était bien un bug, hein. Ah, je suis doué pour ces choses-là, moi. Mais du coup, ouais, faut vraiment que je garde ma jauge de turbo pour lui, hein. Enfin, pour la phase de la météorite. Il est plus dur quand je teigne et smog, attention. Et toi, t'aimes bien petit con ? Ouais, là il y a eu encore une interaction chelou. Les patterns sont trop chiants. Ouais. Il faut attendre la bonne phase quoi. Ferme ta gueule. Ferme ta putain de gueule. C'est bon, on y est. Ok, on va foncer comme des gros porcs alors. Et on va lui casser la gueule. What? Ah ouais, non, là par contre, ça c'est nul. Ah, ça c'est vraiment nul. Ça c'est pas ouf par contre. Ça par contre c'est dommage. Le homing attack qui se prend le slash, ça c'est dommage. Ouais, le fight bon, il est sympa, mais ils ont un petit peu abusé là sur la, comment dire, le one shot du gros caillou. Enfin pardon Silver, de la météorite, excusez-moi. Je suis vraiment désolé mon ref. Tu aimes ? Bon, on va recommencer du coup. On va y arriver, question de temps. No stress. It's no use ! Bon alors mon pote. En vrai, le fight aurait pu être cool, mais c'est vraiment la phase avec la météorite. Ils ont un petit peu chié dans la colle, quoi. Ça, c'est pareil, cette phase-là, t'as des interactions cheloues quand même. La première fois, j'avais tellement galéré. Bah ouais, surtout avec une phase qui te one-shot. En fait, c'est lui le vrai boss final du jeu. Ça y est, on y arrive. Allez, on retente. Écrasement météorite.
C'est bon. Je mérite un S. Hein. Je mérite un S quand même. C'est un Genki Dama le bail. Ouais, c'est dommage que le fight était plutôt cool, mais la phase de la météorite, il y a glissade.